Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Chrono Cross live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Il est temps de partir et... Non, Gara. Pas un instant ne s'écoule sans que je repense à ce jour. J'étais dévoré par le pouvoir de cette épée. Jamais je n'aurais dû. Et Gara, quoi? Qu'est-ce que... Je suis désormais le meilleur épieuse des hussards. Et j'ai réussi. Je me hisse à la première place. Qu'est-ce qui s'est passé? La bonté du ciel, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'ai-je donc fait? Non!
Je sais que cette épée m'a rendu fou. Mais ce n'est pas la seule coupable, je dois l'avouer. J'étais jaloux de Gary. Je voulais manier l'épée mieux que lui. La jadis célèbre Massa Moon, l'épée sacrée qui a vaincu les ténèbres. Se pourrait-il qu'elle ne soit destinée qu'à tuer? Si tu viens à regret ce que tu as fait, alors tombe sous ma lame, traître. Garay? Non. Écoute-moi, Garay. Nous avons besoin d'Eyelinzer pour contrer l'épée maléfique. Dans ce cas, révèle tes intentions à Eyelinzer, comme le ferait un vrai guerrier. Tu vas devoir me convaincre. Ou surtout me vaincre pour continuer. Défendre. Une juste cause exigerait donc de traverser les affres du remords et de la tristesse. N'hésite pas, montre-moi à quel point les hussards sont fiers et pleins d'honneur. Approche, papa Joe.
Ah bah, là. Il y a quatre pattes par là. Oui. Ah yes. On est en draconien. Highlander. Prêt à tomber sous la lame d'un de tes fils. Ce rôle échouera peut-être, Naglin, maintenant que Dario est mort. Toutefois, j'ai une affaire urgente à régler. Il te faudra patienter encore un peu, Garay. Pardonne-moi, mon ami. J'avais pas vu. Thank you.
Et en tabarnoune. Je vais sortir de là. Ogarai, nous allons utiliser les pouvoirs sacrés de Lenzer. L'épée reflète l'âme de son détenteur. Comme je te plains, tu n'étais pas mauvais pour toi. J'espère seulement qu'un jour l'épée sera libérée de toute cette haine. Où vas-tu, Caribou? La mer montait juste devant nous. Quelle vision atroce, un vrai cauchemar. Les vagues sont totalement figées. Cette ombre noire au loin. L'océan redoutable, la mer condamnée par les dragons divins. C'est saisissant. Thank you.
On est là, je viens de vérifier un... dans Rien Sud. Je pense qu'on peut sauvegarder à l'extérieur. Ça, ce serait peut-être un mini-boss.
Quelle mauvaise stratégie tout le long. C'était mal joué ça. Change de sauvegarder.
Ben, ah ouais, la poubelle. J'espère que je pourrais leur commencer, ça serait stupide. Non, ok. Qu'est-ce qu'il donne? Tu maîtrises, ok, c'est bon. Ouais. T'as peur, lui? Excusez-moi.
Ta bille. On tue l'autre aussi au cas où qu'on peut rien avoir là. On est sûrement à El Centro, au cœur de la mer morte. D'ici qu'a dû se propager tout ce chaos. Tous les bâtiments semblent s'être imbriqués les uns dans les autres pour former ce gigantesque enchevêtrement. Quel est-on arrivé à cet endroit? Thank you.
Que se passe-t-il, Caribou? Quelque chose d'inhabituel? Tout va bien? Hein? Quel enfant? Je n'ai pas vu d'enfant. Je m'attends à tout ici, enfin, continuons. Si je parle à lui. C'est l'heure, il faut y aller, le train va partir. C'est trop que c'est impossible de passer par le conduit. Il y a quelque chose par terre. Passe de la gare. Ça ouvre quoi, c'est la passe de la gare? On est à l'intérieur du bâtiment, alors qu'est-ce que ça fait là? Cet endroit me dépasse complètement. Thank you.
c'est ça. Bon, j'ai trouvé trois coffres. Bien fait d'avoir revenu. C'est quoi ça? Ouais, c'est j'ai 14 ans. Thank you.
Que se passe-t-il donc ici, général Dame Ophélie? Et Glenn avec les autres, tout ça, mais qu'a-t-il pu arriver ici? Le malheureux, mais il semble qu'il ait été détenu ici avant leur mort. C'est trop tard, ils sont tous proches et pourtant si loin. Non, on ne peut plus rien pour eux. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Tu es bizarre depuis que nous sommes dans le bâtiment. C'est encore cet enfant? Impossible de faire demi-tour maintenant. Il faut continuer, Caribou. Du soleil, les nuages au-dessus de la mer morte se sont dissipés. La dimension elle-même semble plus instable ici que n'importe où ailleurs. Cet espace-temps fait partie d'une structure totalement différente de ce que nous connaissons. Heureusement, le portail qui nous mène de sortie d'ici est encore là. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu Chrono Cross Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!